Hey, comment allez-vous mes chers haricots? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est le cas. Je suis très heureux de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo sur la grimpette, une fois n'est pas coutume. Et c'est un top 1 qui est tenu sur 7 manches. Et c'est la raison principale qui m'a fait donner envie quoi, hein, de vous présenter ce top 1 là. Parce que c'est inhabituel. Comme vous le savez, en général, les top 1 tiennent sur 5 ou 6 manches, voire même un petit peu moins que ça. Et là, bah 6 7 quoi, je veux dire. C'est assez affolant. C'est beaucoup quand même, hein, c'est très important. À savoir que cette partie-là elle provenait de la playlist de la course aux obstacles folles. Et cette dernière réunit uniquement des épreuves de course. Hein. C'est pour ça que comme finale, on n'avait que celle-là ou le temple perdu. C'était une des deux que l'on pouvait avoir. D'autres fois, quand ils avaient mis cette playlist-là, les développeurs nous avaient mis toutes les finales de disponibles dans ce mode-là. Tandis que cette fois-ci, eh bien non, comme c'était déjà le cas pour la dernière fois que ce mode était apparu. Hein. C'est pour ça que je ne l'apprécie pas tellement cette playlist-là. Mais j'avais eu envie d'y jouer pour voir un petit peu. Et lorsque j'ai vu 7 manches, je me suis dit, mais c'est trop, c'est énorme. Et du coup, je n'avais aucune chance de gagner parce que les autres joueurs, surtout qu'il y avait un gars avec le skin en or, là, du coq en or, hein, je pensais que c'était lui qui allait faire top 1 ou celui qui portait la tête d'ananas. Ah ouais, parce qu'ils étaient quand même bien, bah, bien forts, quoi, ça se voyait. Et j'ai remarqué un truc, à peine que j'ai commencé la partie, le coq en or, vous l'aurez peut-être remarqué, il n'avait même pas couru. Ouais, il est resté immobile pendant 2-3 secondes et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh bah on aura un petit avantage par rapport à lui. Regardez toutes les packs s'affichent ici même, et c'est bien indiqué, hein, 7 manches. Ah ouais, c'est ouf, hein. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez déjà eu, vous avez déjà fait un top 1, ou vous avez déjà rencontré cela, quoi, du moins, une partie, quoi, qui est tenue sur 7 manches, mais effectivement, c'est quand même très important, ça, il n'y a pas à dire. Bon, bah voilà, les amis, oh, masse. Vous savez quoi, j'ai dû faire 2-3 vidéos, ouais, j'en ai même fait 3, hein, avant celle-ci, au même moment, quoi, parce que, bah, j'ai commencé des vidéos assez courtes, hein, et j'en avais le temps. Et ça fait une demi-heure à peu près que je commente des vidéos là. Et vous savez quoi? Bah durant tout ce temps, une de mes fenêtres était ouverte. Je croyais qu'elle était fermée mais non. En plus comme j'ai parlé assez fort avec beaucoup d'énergie de peps, oh bah, on m'aura attendu dans la rue là peut-être. Hein. Du moins s'il y avait des gens dans la rue, bah, je vous dis pas, ils ont dû se dire mais qu'est-ce qu'ils racontent et tout. Ah ouais, en plus j'ai mis le ventilateur, donc du coup je ne m'entends pas trop. Enfin je veux dire, je me rends pas compte que je parle fort. Ah ouais, mais j'ai tellement d'énergie quoi, et d'envie surtout hein, en ce moment, depuis mon retour. Hein, et bien pour la fin du mois de janvier dernier, ben, j'ai vraiment envie de vous proposer un maximum de vidéos. Et je pense que, ben, que vous... Voilà, vous vous en rendez compte, vous vous en rendez bien compte, quoi, je veux dire. Hein. Bah voilà, les amis, c'est tout ce que j'avais vous montré. Sur la une manche d'avant, je m'étais qualifié en tête, et c'est sur l'épreuve Ascension Poisseuse, et c'est celle-là que je vous aurais mis juste après ce top 1. Allez, pour l'heure, je vous dis à la prochaine, pour de prochaines vidéos. Salut, portez bien surtout, prenez soin de vous et de vos proches, bye bye. Et pour info, c'est mon 3e top 1, je crois bien, qui est tenu sur cette manche. Au revoir.